Rosalia, t'as le numéro de Rosalia? Vous voulez qu'on la FaceTime comme ça, le jeu, il prend un autre nom? On adorerait. Je réponds. Ça aurait été incroyable. Bonjour, je suis Félix Moati. Comment allez-vous? Ouais, ah oui, voilà. Bah, moi, bonjour, je suis Adèle Exarchopoulos. Bonjour, moi, c'est Manon Brèche. Bonjour, Mélanie Laurent. Alors ça, vous allez galérer, c'est sûr et certain, parce que moi-même, je sais pas. D'accord. Qui est-ce que j'imite le mieux? Non, je sais pas. Est-ce que tu imites ce qu'on va dire ou pas? Est-ce qu'on a en plus, du coup, une petite performance? En direct, là? Ouais, en direct. Bah, venons, on l'essaye. Mais va le faire quand même, tu vas nous faire ce plaisir. Philippe Catherine? Allez. Wow, vous êtes tellement dur. Et encore, c'est très approximatif, mais j'avais dit Jacques Chirac. Non, oh, non, tu vois, faut toujours s'écouter dans la vie. Je savais, je l'ai dit. Tu les as entendus? Ouais, tu verras. Non, tu les as entendus. J'ai dit Jacques Chirac, elles m'ont fait... Bon, bah okay. Vas-y, Jacques Chirac. Allez, allez. Je sais juste faire une phrase. Hein. Et encore, vraiment, c'est approximatif. T'inquiète pas, personne n'est là pour se juger. Oh, tout le monde a jugé. Mes chers compatriotes. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Alors oui, c'est une très mauvaise... Ah, mais je suis pas imitateur, les amis, je suis pas Laurent Gérard. Hein. Bon, en tout cas, on a un point. Voilà, oui. Un point. D'accord. Si j'étais pas artiste, quel métier est-ce que je pourrais exercer? Docteur. Docteur? Non, pas non, sûr. Il serait ultra angoissant. Moi, quand je me suis fait casser le nez, il était affreux. Il me disait, c'est pas grave, Adèle, quelqu'un va venir et va te faire rac, tu vas t'évanouir et ça va être super. J'étais en mode, ça me plaît pas. Non, j'étais calme. T'as fait une crise d'angoisse et t'es allé t'allonger à côté? Oui, c'est vrai. quel autre métier? Moi, j'aurais dit le social. Moi, je te fais confiance sur toutes les réponses maintenant. Ok, vas-y. Vous me suivez? Bien sûr. Moi, je pense que t'aurais taffé dans un truc social. Ah bon? Non, mais il est flatté. Non, écoute, ça me touche. Ça me touche. Mais j'aurais été reporter de guerre. Quelle scène du tournage de Voleuse a été la plus amusante à tourner pour moi? C'est Kenyon. Ouais, oui, ça a été... Un enfer. Je suis épicier dans le film, n'est-ce pas? Et dealer d'armes. Voilà, classique. Et on a donc une scène avec Adèle, qui est une scène de rencontre, et où on se drague autour de notre amour commun pour les armes. Et on a eu, c'est vrai, avec Adèle, un énorme fou rire qui était long. Et je peux te dire sur quel mot? Très long. Comment? Je peux te dire sur quel mot? Et lequel? Tu vois les saucisses qu'elle touche, ta copine? C'était mort. Ouais, c'était mort. Ben voilà, c'était ça, la scène. Quelle est ma scène de film culte? Qu'est-ce que tu penses? Toi, tu penses quoi? Moi, je pense pas grand-chose. Peut-être perdre la tête, du coup. Moi, je me dis pas. Tu vois ces mains-là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Scarface. Ah ouais? Non. Non, non, c'est dans le parrain. Non. Non, 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 c'est faux! Suis tes instincts, suis tes instincts. Et cette fois-ci, je t'ai dit, vas-y. Je suis une sorcière. C'est pas possible. Je rentre dans la tête. Mais moi, je. Pour moi-même, je suis une cata pour les gens, mais. C'est incroyable. Ouais, mais vous êtes sûr, vous n'êtes pas en train de tricher? Il ne nous montre pas, là? Je sais pas. C'est incroyable. Ça, plus Chirac, elle me fait peur. Mais oui. Je vais plus penser à côté d'elle. Et en plus, du tac au tac, quoi. Pas de réflexion. C'est terrifiant. Ok, bah voilà. Et bah voilà, c'est quand Al Pacino dit à son frère Fredo. Non. It's hard to be a son, Fredo. C'est exactement ce qu'elle a dit. C'est toi. Ouais, là, tu m'as fait peur. Et c'est fini. Et c'est fini. Trop facile, ça va durer une seconde, ça. Okay. Qui me manque le plus lorsque je suis en tournage? Ton fils. Un point pour eux. Quel métier ai-je exercé après la vie d'Adèle? Si, moi je sais. T'as fait des sandwichs à Bercy. Ouais. Oh là 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 là. Panini, encore un point pour mon Panini. Équipe. Où ai-je rangé mon César? Bon, classique. Ah ouais? Chez tes parents. Je fais un classique. Chez tes parents? Chez tes parents? Non. Ouais. Papa et maman. Ouais. Papa et maman. Je fais un sans faute. Mais bon. Ouais. Allez, dans le deuxième continuum. Qui est le contact le plus connu dans mon téléphone? Sean Penn. J'en ai mis deux. Donc il y a Sean Penn dedans? Ouais. Et il doit y et avoir... Et l'autre, c'est une fille. Kylie Jenner. Rosalia. Ouais. Rosalia, t'as le numéro de Rosalia? Vous voulez qu'on la FaceTime comme ça, le jeu, il me prend une autre tournure? On adorerait. Je réponds pour tout le monde. Ça aurait été incroyable. Elle est pas mal. Hein. Elle a le truc. Quelle est ma cascade préférée dans Voleuse? Alors. Alors attends, celle que t'as tournée où ça le faisait ou celle où t'es tombé plus là où j'ai pris le plus de plaisir? Bah, du coup, c'est quoi votre réponse? Le quad, moi j'ai répondu. Ouais. Toute la scène de sniper, non? Ouais. Parce que c'est celle qui réunit toutes les armes différentes. En fait, on est en mouvement. Mélanie, elle conduit un quad et moi, je dois ouvrir le coffre du quad et me servir d'un Beretta, d'un sniper, d'une mitraillette. Donc,
C'était complexe et c'était trop cool. Alors, quel était mon décor préféré pendant le tournage de Voleuse ? La villa en Corse. Non. Le bateau. Où j'étais pas. D'accord. Le petit port ? Non plus. Alors, j'y vais. Désert des Bardenas. Ah ouais, j'avais oublié. J'ai aimé découvrir cet endroit que je ne connaissais pas. Quelle est ma série préférée ? Alors là... Ok, j'essaie de rentrer dans sa tête, je me connecte. Vas-y. Utilise tout ton pouvoir, il faut que tu... Tu sais ce qu'on fait ? À trois, on dit en même temps et on voit si j'avais raison. 1, 2, 3. The je Wire. Je n'ai pas encore eu la réponse. Ah. Mais on dira ce que Adèle a dit. Si je pouvais partir en road trip quelque part, où irais-je ? En Afrique. Ouais. Ah oui. Enfin, c'est un continent, les amis. Hein, c'est mais pas, justement, je ferais un road trip. Elle ferait tout le continent. À tout le continent. Ouais, je commencerai par l'Afrique du Nord. Avec plaisir. Waouh, quel était mon premier boulot ? Quel était ton premier boulot ? Plus belle la vie. C'est ça, non ? Bah ouais, possible. Possible. Ah, bien joué. Ah, putain. Wow. Super. On imagine un boulot autour. Oui, un moi autre. J'étais en restauration. Ah, oui. J'étais en... Exactement, mais de déclarer que je peux, dont je peux parler. On dira que ce sera comédienne et c'était sur Plus belle la vie. Quel est mon talent caché ? J'ai envie de marquer une connerie, moi, du coup, on trouvera jamais. J'ai triché. C'est ça. J'ai pas réussi à lire. Moi non plus. Bah, nous, on aurait dit le. Ouais. La muscu, le gainage. Le sport. Le sport. Mais un talent caché, t'es très forte en gainage. C'est assez impressionnant, je vous l'assure. Et on a des moments de Mélanie avant talent. Certaines prises. C'est un talent, ça. C'est un talent. Bien sûr que c'est un talent. Faire des abdos, c'est un talent. Oui. Bon, je suis un peu hyperlaxe. Hyperlaxe. On dit des ostéos, ce qui ne sert vraiment à rien dans la vie. Mais j'ai envie que tu fasses une figure. Non, c'était une vanne. C'est parce que... D'accord. Voilà. Mais on m'a dit ça. Mais c'est vrai que c'est pas un talent, etc. Quelle est la chanson sur laquelle je ne peux pas m'empêcher de danser ? On te laisse le temps de répondre, parce que nous, on a déjà une réponse pour toi. Ah non, je sais. Ah, parce que t'as vu la réponse ? Oui. Ah, elle est sûre ! Et vas-y. Je vais vous demander de la chanter. La boulette. La boulette ? Ouais, James. La boulette de James ? Si tu la mèches, c'est compliqué de pas danser. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Ah, quel est mon film d'action ou de gangster préféré ? Les Affranchis ? Oui, mais c'est, je crois qu'on a déjà eu cette sensation. Ouais. Oui, c'est ça. Mais j'étais pas là. Hein. Campagne. Donc je suis pas sur le même pied d'égalité. Ouais, c'est ça. Quoi. Je pense. Un Michael Mann ? Hit. Ok. On dirait un Tarantino. Allez, voilà, on dirait un Tarantino. Un petit Kill Bill. Quel est mon meilleur souvenir de tournage de Voleuse ? Quand je t'ai dit oui. De tournage ? Oui, en effet. Quand t'es parti. Elle était bien, cette Moi, j'avais cancer. Quand ça finit dans le combo. Oui, ouais. Sûrement, ça doit être sûrement ça. Quand ta fille est là, non ? Oui. 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 Combo, tout ça. Ouais. Quand elle dit « Chut, ça tourne ouais. ». Magnifique. Et quand elle dit « Coupé, c'est bon, on peut parler ». Elle est extrêmement mignonne, faut ouais, préciser. C'est vrai. Bah, on se connaît super bien sur plein d'autres trucs, par contre. On aurait pu cartonner en plein d'autres trucs. Ouais, c'est Adèle qui a gagné le projet. Elle est si contente parce qu'elle a gagné. Non, franchement, pas forcément. C'est les jeux. Merci d'avoir regardé ce game show. C'était l'équipe de Voleuse. Non, fais-le en Jacques Chirac. Go. Merci d'avoir regardé ce game show. Non, pas du tout. Ah, ouais, c'est pas mal. C'était l'équipe de Voleuse. Mélanie, Adèle, Manon, Félix. Merci à tous.